Salut tout le monde, c'est Corentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tales of Berseria. J'espère que vous allez bien. Enfin, je bégaye comme un ouf. J'espère que vous allez bien, enfin, c'était après avoir affronté une nouvelle fois le frère de Holokulu. Et il en avait perdu nos épées. Que je pensais que ça allait être des épées de ouf. Et bah non, et on s'est fait niquer. Voilà. Enfin bref, du coup, il y en avait des gens à qui parler, donc on va leur parler tout de suite. Allez. So, you guys made it. Whatever happened to that Swordbreaker? He's been dealt with. What are you doing here? After everything you said to me, I had a change of heart. I quit banditry. Thank you. I'm glad you listened to reason. What do you plan on doing from here on out? I'm heading to the capital. I plan on opening a restaurant for bandit cuisine. Bandit cuisine? Yeah. You get your hands on all sorts of food as a bandit. You gotta use what you have, and still make a tasty meal. Like a wild mushroom omelette minus the eggs. Or highwayman's stew. It's like a hunter's stew, but, you know, made by bandits. That sounds somewhat improper, actually. But I'd still love to visit after you open. Really? All right. I'll be an upright citizen in no time. Maybe even the kind of man you'd consider spending some time with. I'm rooting for you. Hey, were you actually listening to him? Of course I was. It's wonderful he's turned over a new leaf. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ensuite, je vous ai pas vu. On va parler à la personne qui se trouve ici. Bonjour monsieur, oui monsieur. Hey, you there. That's one impressive sword you got. You know a lot about swords? I'm a novice swordsmith. Been at it for 20 years. Now, I'm finally able to make a blade worthy of the name. 20 years? And still just a novice? It's a competitive world out there for a swordsmith. Especially here on this island. But I heard many swordsmiths have given up. There's less ore around nowadays, and swords don't work against the demons. True, swords are useless against demons. Unless it's an exorcist that's using them. Kednik's weaponry has always been prized in Midgant. The Abbey recognized our talents, and now, business is booming. All the smiths here are grateful to the Abbey. They're keeping all of us alive and fed. Très intéressant. Ensuite, ensuite. Vous, y a que ça, d'accord, y a que ça. Tout repos. Je vous en prie, reposez-vous un peu avant de partir. Non. C'est pas à toi que je devais parler. Ah oui, mais si, oui, si, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'il y a des cinématiques quand on va dodo. Did you need something? No, not really. As you say. Why aren't you training with two swords? This is how I've always trained. 10,000 practice swings a day since I was a kid. I just wanted a single good swipe at Shigure. So I swung and swung, and eventually just naturally got to this point. That's incredible. Not really. I need to be prepared to face Shigure at any moment. But I've been thinking I should up it to 100,000 swings. 100,000? Do you have any idea how much time that'll take? Nah. Even if you did one swing a second, you couldn't do that many in one day. Oh? But 10 swings a second would do the trick. Rokuro. Even still, I know it would take more than 100,000 swings to be a match for Shigure. Not with one sword or with two. And you keep doing it, despite knowing it's pointless? That seems a little odd. I'm trying to defeat an undefeatable adversary. The whole damned idea is daft, as you put it. All I can do is recognize the fact and give it my best shot. Well, that's one way of looking at it. If only I could figure out how to stay up all night and still feel rested. Now there's a challenge I can't beat. You need to go to bed. A lack of sleep will get you killed faster than a lack of practice. You're right. I'll do that. Je viens de dépenser 100 gal juste pour savoir ça. Ok, d'accord. Ça va. Je rigole. Je rigole. Du coup, normalement, on a parlé à tout le monde, si je dis pas de conneries. Oui, c'est bon. On va juste...
Voir ce qu'il y a là-dedans, même si à mon avis il doit pas y avoir grand-chose. On va voir quand même. Effectivement, il n'y a pas grand-chose. Ah si, il y a un coffre. Il y a un petit coffre, il y a un petit coffre. On le voit en haut à gauche. Génial, dégale. C'est pas comme si j'en avais vraiment besoin. Je suis à combien là? 45 000. J'étais pas à 45 000 l'autre fois? Ah oui, mais c'est vrai que j'ai acheté des soins et tout le bazar, c'est vrai. Bon, du coup, maintenant que tout ça est fini, on va pouvoir y aller. Ah, attends, toi, je vais te parler parce que j'ai affronté des monstres, c'est vrai. Tu as vécu, nanana, oui, c'est bien. D'accord. Oui, je voulais voir. Non, mais il y a vraiment que des. Ah non, un vaincu. D'accord, ok, donc ils peuvent en proposer si jamais. Si jamais je les ai pas vus, il peut me les proposer. D'accord. Ou si je les ai pas affrontés tout simplement. Bref, allons-y. Prenons le bateau. Enfin, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Nanana, pourquoi? Il y a la malédiction du faucheur, bien sûr. Oui. Voyage entre les continents. Les continents sont reliés par des routes maritimes. Pour vous rendre sur un autre continent, allez voir Benwich au port pour utiliser le Van Eltia. Cela ne vous coûtera aucun gold, ce qui en fait un excellent moyen de transport. Je suis désolé. C'est rigolo parce que il y a à peine 2 heures, je lisais super vite et là j'arrive plus à lire. C'est assez chiant. Du coup, bah faut que j'aille là, je suppose. Oui, c'est là. Allons-y. I gotta say, you guys look less like pirates and more like a circus troupe. Are you all right with having demons on board, Benwick? Not remotely an issue. If you're aboard this ship of misfits, you're a pirate. That's just our creed. At least, that's what the captain and the first mate always say. Speaking of the captain, what's Eifried like? Hmm, let's see. How do I put it? He's like if the sea were a person, and that person had a pointy beard. Huh. A bearded sea? Look, everybody on this ship is an outcast from society in some way. Despite that, Captain Eifried accepted us for who we are, and took us all on board. So he's a kind man. Well, would you say that the sea is kind? How would it feel to dive in with an open wound? It would sting. A lot. Quite so. Some days he's calm and steady, and others he rages. He can be shallow, deep, even a whirlpool. Sounds like he's a little scary and hard to read. Yeah. Sometimes it's hard to serve him. But that air of mystery keeps us around and makes us want to take those jumps. At the end of the day, the dread pirate Van Eifried is one hell of a guy. He sounds like velvet in a lot of ways. Wait, what? How so? I didn't describe him right at all, did I? Hmm. Benwick, we're changing course at once for Port Renied. Sir? What's going on? Three of our men have collapsed from the Corsair Scourge. They first showed symptoms 3 days ago. How are you holding up? I'm still doing all right. But if this really started 3 days ago, that means we're all carrying it, doesn't it? That's what I'm afraid of. But if we head straight to Port Renied, we should be able to get medicine there. I'll check on everyone's condition. Make sure everyone stays hydrated, including yourself, understand? Sir, yes sir. All hands, assume emergency positions! The crew's holding up well for a bunch of folks at death's door. What do you mean? Is this Corsair Scourge fatal? Quite. No one knows what causes it, but it starts with a high fever and ends up with the body falling apart like sand. Like sand? Once, there was a great band of pirates who ruled the seas, but the disease spread through their ships and killed every one of them! That's why it's called the Corsair Scourge! Does that mean we've been infected as well?
You humans, for sure. Only humans fall prey to the Corsair Scourge. Then it could have gotten to you too. Right, Moggy Lou? Oh, right! Alas! That my glorious saga should meet such an ignominious end! I can't allow our vessel to die from this. If you start to feel ill, speak up. I will. All right. We'll all be helping out in the search. Everyone but Eleanor, that is. Huh? Oh, why does she get to stay? I might be dying too, you know! You're a witch. Magic yourself healthy. Now quit whining and get going. Oh, not even a witch is safe from the ravages of the Reaper's Curse! The Reaper's Curse? Okay, where's the herbalist? If I remember right, the Corsair's Scourge needs a particularly special medicine. Yeah, it's a wildflower called Salatoma. Its juice can cure the Corsair's Scourge. Well, doesn't sound too tricky. Let's not relax until we have it in hand. Right. Now let's get going. Hold on a minute. Won't you just be spreading the disease if everyone wanders into town? Surprisingly, no. For whatever reason, you can only catch it over the ocean waves. It's speculated it might have something to do with the salt in the air, or maybe the microbes in the seawater. Nobody knows the cause for sure, but there are no recorded cases of people catching it on land. I see. A strange affliction indeed. We'll be back soon. You all remain on the ship. All right. Good luck out there, sir. We've got to hurry. Salatoma. Is this really going to be necessary? What do you mean, Eleanor? Oh, nothing. It's just... well, the herb is known to work well for fevers and the like, but... it tastes bad. So bad. Some say it would even bring a demon to the brink of tears. Maybe so. But better to drink it than to die, right? Oh, I'm not worried. It just reminded me of stories from my childhood, is all. Notre expédition est rentrée. Bon, du coup, tout le monde est malade, génial. On a fait un détour de bâtard pour 2-3 marins. On s'en fout, nous. Hein, de... Je rigole. Ce qui nous intéresse, c'est notre vengeance, et puis c'est tout. Du coup. Alors, juste. Je veux juste regarder les équipements s'il n'y a pas quelque chose de. Non, personne n'a pris le level ou quoi que ce soit. Donc... enfin, personne n'a appris rien sur les équipements, donc c'est bon. Doesn't he realize that I'm a delicate maiden too? This is workplace discrimination. I should put him on a witch trial and burn him at the stake. I don't think that's how witch trials work. What's wrong, Eleanor? You look like you've got something on your mind. I'm just trying to figure out what Rokuro was thinking when I had Lord Shigure at the end of my spear. Rokuro threw his dagger right at my head. I thought I was dead for sure. I feel like I saw who he truly was, and it frightens me. But he and Lord Shigure are always trying to kill each other. I can't understand why he did what he did. It might have something to do with his Bushido code. What's Bushido? Is that like a sword fighter's code? It's a way of thinking. Be loyal to your lord, respect your parents, protect the weak, and act with honor. You're saying that he was following this Bushido code? And he was protecting me because I was weak? He might have turned into a demon, but his memories and personality are still intact. I doubt his moral values have disappeared either. Do you really think he believes in that Bushido stuff? Carving through his enemies with a cruel and unsparing sword! Slash! Pow! Shazam! That's the true nature of a Rangetsu man! I heard that when Velvet first met him, he immediately attacked her without any provocation. I'm sure you haven't already forgotten how he turned his swords on the kid in that fight against Kurogane. I wouldn't read too much into what Magilu's saying. Rokuro lives for his sword, and that's just who he is. But I don't think he's all that bad. I thought you were the one who called him frightening. I know I said he can be a scary person, but... how do I put it?
I do feel there's more to him than just wanting to cut people up. It's like... he's more sensitive to other people's emotions than he might seem to be at first glance. A sword fighter has to sense his opponents on some level, right? For a crazed demon, he's actually a nice guy. Is that it? Maybe. I don't know. It's not like I know him well enough to claim any deep personal insight or anything. You brought it up. Bah, tu comprends rien, mais vraiment rien, toi. Hein. Tu comprends jamais rien. On te dit un truc, tu dis non, c'est pas possible. Dadadada. Artorius, il aurait jamais fait ça. Non, le berger, il aurait jamais fait ça. Dadadada. Ouais, bah, tais-toi. Et fais ce qu'on te dit. De toute façon, elle va rester dans le groupe, je m'en fous. On ira la chercher par le pouls du cul s'il le faut. Alors, attends. A bit ago, a manacled body got caught in my nets. Manacled? A prisoner? You too? Yesterday, my nets pulled up an arm. Manacles, even a brand on that one. I really can't take this anymore. I'm losing my appetite, and it's bad for my heart. You said it. Judging by the tides, they would have to have come from that prison island. Is it really just a prison? You think it's strange, too? I've suspected something about that place for a while now. They say the whole island is a prison. But if you ask me, I bet it's just an execution ground. Or... it's for experimenting on demons. Experimenting? What do you mean? Testing the demons' capabilities. That's why they need prisoners. Food for the monsters. Not a bad theory. Just kidding! There's no way the Abbey would do something that horrible, right? You sure think of some crazy ideas. I bet all of this is the work of some vicious pirate gang. Yeah, something like that. That guy, he's pretty sharp. Now that you mention it, I haven't seen any patrol ships around there recently. Used to be they'd chase you off if you got too close. You know you're right. If there are pirates about, it'll mean trouble unless the Abbey tightens up their patrols. The best we can do is keep a wide berth of it for now. We wouldn't want pirates and demons sneaking up on us. I think we'd notice if pirates or demons were around. No way they'd catch us unawares. I can't tell if he's sharp or dull as a brick. Les deux. À mon avis, le truc avec son île, avec les tests, enfin les expériences sur les démons, je pense qu'il y a moyen que ça soit vrai. Mais vraiment. Hein. Ok, faut aller rendre visite à monsieur, à le machin là. Mais ça se trouve, ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Hein. Moi, ça m'étonnerait même pas, quoi. Il y a de grandes chances pour que ça soit un truc dans ce style-là. Quoique, non, sinon, Velvet, je pense qu'elle y serait. Oh, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, à mon avis, il va y avoir un délire là-dessus, c'est sûr. Hein. Sinon, ils en auraient pas parlé. Enfin, si, ils auraient pu en parler, mais voilà, quoi. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait ce genre d'histoire. De toute façon, l'abbaye, on les aime pas, c'est des connards. Je suis en train de penser, quand même, on a une équipe de malades. Hein. On a deux démons. Deux malaks, un exorciste et une sorcière. Ok. C'est un sacré groupe. Hein. Allez, on fait une petite sauvegarde. Tac. Une petite sauvegarde et puis après, on avance. Toulou. Alors, bonjour messire. Par contre, je voulais de l'air frais, du nouveau et tout, mais je voulais pas de la pluie. La pluie, j'aime pas ça. That's an interesting bridge. This bridge has a bit of history to it. Port Renied was originally built here on this inlet. The water's deep enough for ships, but as you can see, it's a bit too narrow for a port. Large ships couldn't come close without a top-rate crew. So Port Renied was used almost exclusively by smaller ships. What about the Von Eltia? We're the best of the best. We came and went as we pleased. So your point is you wanted to brag? Hey, let me finish. The people wanted their town to grow, so they built an outer harbor for large ships, and this bridge to connect to it. Uh-huh. So that's why the port and the town are separate. But there's more. We secretly helped provide the funds and resources for them to build it. So you are bragging. And did this bridge bring prosperity to Port Renied? No. The Abbey began regulating shipping and travel, right about the time the town finished building the outer port. If only the seas had remained free, Port Renied would have developed into a center for commerce and trade. I suppose things don't always go as planned.
Then again, even if Port Rene became a bustling port, we still would have no trouble slipping in or out. I'm not biting this time. D'accord, d'accord. C'est tout à fait intéressant. Donc nous sommes les meilleurs marins de notre temps, ou je sais pas quoi, là, je sais plus ce qu'il a dit précisément. C'est intéressant tout ça. Alors, je sens qu'il va se passer quelque chose ici. Un truc de ouf. Port Zexon, I heard that a swarm of demons attacked the palace and killed the high priest. No way! Isn't the palace the most heavily guarded place in the world? How did the exorcist let that happen? Hmm, bad news really does travel fast. They say that the demons were disguised as humans, but were actually enormous monsters twice the size of any man. They had razor-sharp horns and three burning eyes. They could take over your mind just by glaring at you. If the demons were that terrible, no wonder the exorcist couldn't deal with them. Some rumors say they escaped. Some say a legate took them down in a climactic battle. But no one knows the truth. We should be ready to run in case they show up. Is the world falling apart? Will the bad times return again? A horned giant with three eyes, huh? Velvet, you're one scary lady. They said swarm, so they were talking about you too. Ah, les nouvelles se répandent vite, mais mal apparemment. Et j'allais dire, je pense qu'il va se passer un petit truc ici, mais je vois pas de... Ah si, il y a une sortie. À mon avis, il va se passer, surtout que... Attends, si on fait ça et ça... On voit que l'île... Enfin, cette zone est assez... Ah, pas tant que ça, en fait. Quoique, parce qu'on a déjà visité la partie droite, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais à mon avis, il va se passer quelque chose ici, je le sens pas. Mais alors, pas du tout. Mon petit coffre. Il y a trois coffres ici. Il y a trois petits coffres. On va parler à monsieur. Enfin, il va faire son discours. Je sais que je me répète, mais c'est juste pas possible. But the high priest hasn't been seen since then. How do you explain that? I heard some people from the capital say that he might have been attacked by demons. The abbey's trying to cover it up, but the truth is getting out. The security at the palace is better than anywhere else. Demons breaking in? Inconceivable. But what if a whole horde assailed the castle? The exorcists guarding the palace are elite, the best of the best. Horde or not, they couldn't have gotten in. But what if they were some sort of giant demons? No matter how elite the guards may be, they'd have trouble against something like that. If giant demons appeared in the capital, there'd be an uproar. I understand your concerns, but please remain calm and trust us. Panic and confusion is just what the demons want. They'll use it to slip into this very town. Well, we know that, but still. It looks like rumors from the capital are spreading. The more chaos there is here, the easier it'll be for us to move around. Effectivement, ça sera beaucoup plus simple. Oh, le petit coffre de Minos en hauteur là. Ouh, je t'ai vu. Oh là, ça commence à être vachement cher. Hein. Que de Shiba. Oh. Oh, je crois que c'est le meilleur item. Attends. Une queue de Shiba, non mais... Ah, j'avais vu ça. Je sais même plus. Ah non, Velvet. Ah, on le voit pas. Attends, sur la ficette, on va le voir. Non mais c'est quoi cette queue toute nulle là, elle est toute petite. Oh là 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 là, ils ont osé faire ça. Par contre c'est bien mais tout le monde s'est caché par tout le monde. Une queue de Shiba mon gars. Je veux un Shiba depuis je suis tout petit. Comment j'accède là-bas? Ah oui, je peux faire le tour. Je veux un Shiba depuis que je suis tout petit moi, je suis... Enfin, pas depuis que je suis tout petit mais depuis un moment, genre... Ça fait au moins 10 ans que j'en veux un. C'est pas ici. C'est là. Tac. Ça fait très très longtemps que je veux un Shiba et il me propose une queue de Shiba. Bah, cyber. Moi je veux un Shiba en compagnon, tu vois. Gilet d'épines, ok. Alors toi tu me fais peur, je vais pas te parler. D'ailleurs c'est quoi ça? Merde. Tac, tac. Ouais c'est les mini-jeux. Et j'aime pas les mini-jeux. L'autre fois j'en ai fait un, c'était nul. Ça se trouve c'est mieux maintenant, mais... Pardon. Hop, on va jeter comme ça, le coffre il sera ouvert. Tac, 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 je crois que j'ai fait le tour, j'ai tous les coffres. Je pense que nous sommes bons, ok. Allons voir... rendre visite à l'herboriste à porc, machin.
qui est toi, je suppose. Hello there. How can I help you today? We're looking for Salatoma flowers. Well now, that's an order I don't get every day. It's not for the Corsair's Scourge, by any chance. The very same. Some of our crew developed fever 3 days ago. I want to take care of it as quickly as possible. Understandable, but unfortunately, I'm out of stock right now. How can you be out of stock? The flower's in season, isn't it? It is, but not too long ago, a demon appeared in Warg Forest, where we harvested. And now the Abbey won't let anyone inside. They what? Why haven't they exterminated the demon? From what little I've heard, they've had trouble tracking the thing. 100 people go in, maybe only one will actually come across the beast. If it's so rare, then what's the danger? Because nobody who's encountered it has come back alive. First the Corsair's Scourge, then no medicine, the Abbey, and a mysterious demon. Never a dull moment with the Reaper's Curse, eh? I could try to order some from other towns, but if you're already on day 3, it might not make it in time. But if we go to the Warg Forest, the Salatoma will be in bloom, correct? Right, but the demon... We're going to the forest. Et voilà, mais... Ok, le fait de parler à quelqu'un, ça fait repop des discussions. Attends, me dis pas qu'il y en a qui repop genre là-bas. Ah, j'ai raté une zone. Ah oui, attends, allons dans l'auberge vite fait. Juste vite fait, il doit y avoir 2-3 coffres, enfin 2-3 objets ou un truc comme ça, non? J'ai pas l'impression. Voilà, il y a un objet. Là aussi. Okay, bon, c'était tout nul. Alors du coup, ouais, donc ça refait pop des discussions, je sais pas pourquoi. The demon of Warg Forest? Ah d'accord. Yeah, I heard about it. It's been the talk of the town around here lately. My guess is it's some kind of invisible demon. Scary, right? An invisible demon? A bunch of exorcists got together to hunt the demon, but they couldn't find it. If it's not invisible, then maybe it's so fast they couldn't see it, or too small for them to notice. What kind of watch are they keeping on the forest now? Shouldn't you know? You're an exorcist too, right? Yes, but my duties take me from place to place, and I don't know the details of the demon hunts in this area. I see. I don't really know the details myself either, but I hear the exorcists are patrolling in shifts. Interesting. It sounds like they still might not have a good lead on what this demon is. Please hurry. Find that demon and get rid of it. We won't feel safe until it's gone. You have my word. We'll do everything we can. We're here to find Salatoma. Sorry, but we don't have time to go demon hunting. I know. D'accord. Donc oui, c'est pour ça que les tests ont apparu, puisque ça parle du démon, je pense. C'est pour ça, je me suis dit pourquoi ils ont pas mis avant, quoi. I can't take it anymore. I can't deal with life in this village. There you go, with the whining again. Those two, they seem to be rather upset. Best stay out of it! They're going at it hammer and tongs! The phrase is hammer and tongs. I'm not whining. It's been 10 years, and the village is no better off than when we started. Every year, it gets colder. And every year, our harvest gets worse. And the risk of demon blight hasn't gone away. Your point? Compared to other regions, Westgand has fewer cases of demon blight. Other areas are suffering worse from the cold and the demons. I'd say we're better off here than anywhere else. You're saying we're lucky that all we have to worry about is cultivating this inhospitable land? Don't be so impatient. We'll see results. Westgand has incredible potential. If we keep working this land, eventually it will become a prosperous place. Maybe not now, but in 100 years or 1,000, our descendants will have joy and plenty. That's enough for me. There you go again. Who cares about ancestors? I'm talking about... Good man, your words have moved me. As an exorcist, I promise to work my hardest to end the demon blight and help people like you find security. Oh, thank you for your kind words, young exorcist. Then I have a request. How about you start helping by marrying this fool son of mine? What? Ever since his lover gave him the slip, he's been whining like this non-stop. I'm very sorry, but that wasn't exactly what I had in mind. Bah pourquoi pas? Allez ma petite. Ça te donnera de l'expérience, hein. Voilà, c'est tout. Pourquoi pas? Oula. Oh non, mais il pleut encore. Mais il pleut tout le temps dans cette zone ou quoi? Oui, il va pleuvoir tout le long, je pense. Allez, on va faire le petit sauvegarde. Nous sommes à bientôt 30 minutes. Ah, genre là, nous sommes à 30 minutes. Enfin, moi, je suis à 30 minutes.
Du coup, on va fouiller toute cette zone, on va affronter le monstre et mais surtout on va se diriger vers la forêt qui du coup on est dans la forêt là ou pas? Attends. Non, on est dans les marécages, ok. Alors bon, c'est cool, le prochain épisode je pourrais prendre de l'XP vu tout ce qu'il nous propose là actuellement, donc c'est plutôt fort sympathique. Là je peux pas y accéder. Ah ouais, mais est-ce qu'on va pas avoir une petite un petit bateau ou un truc comme ça pour se déplacer, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de zones qu'on va pas pouvoir accéder à cause de la flotte là. Je ne sais pas. Non. Mais ça c'est pas un monstre sérieux, le truc tout rose là, c'est pas un monstre sérieux. C'est n'importe quoi. Hey Lafayette, what's the Reaper's curse Mogilu was talking about? Supposedly, Aizen's presence has the power to bring misfortune to the people around him. Is that some sort of special Moloch power or something? It's worse than mere misfortune. At Vortigern, there was a sudden mass outbreak of demon blight, and many of his fellow crew died on his watch. I find that a little hard to believe, honestly. The Reaper's curse is all too real! It was the Reaper's curse that tore me from you and got me captured by Miss Mogilu! Oh, is that so? I missed you so much! The hazy halcyon days when I would blow on your cheeks to make your tears dry up! Hey, that's not... It must be destiny that we've been reunited! How I wish I could return to your side once more! Do what you want, I don't care. Really? I won't stop you. Maybe she wants a Moloch who freely divulges a young girl's secrets. I'm fine, thank you very much. I've already got Lafayette to look after as it is. Aw, no fair! Is he the one who blows on your tears now when you cry? He most certainly does not. And as of right now, you're a stranger to me. What? Just so we're clear, Lafayette will do no blowing on any cheeks. Of course not. I mean, not that it ever happened in the first place anyway. Just forget it. Yet another victim of the Reaper's curse! Bon, au moins, c'est la joie de vivre hein, sous cette pluie de merde. Je déteste la pluie. Je déteste... Ouh là 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 là. Calmez-vous, messieurs. Calmez-vous. Ah, par contre, anti-arrêt. D'accord. Comment je vais là-bas? Alors déjà, je peux même pas aller là. Comment je vais au point rouge? Ah oui, si, je vois, il y a des petites espèces de petits rochers à côté. Là. J'ai l'impression. Une plante là-bas, on va la choper. C'est important. C'est important, les plantes. Tac, objet, tac. Tac, hop, hop, hop. On est reparti, ok, c'est un espèce de papillon chelou. Je le sens pas ce boss, de toute façon tous les boss rouges comme ça je les sens pas, surtout que ça fait ouais, ça fait 3-4 épisodes que j'ai pas fait un combat. Eleanor, are you feeling all right? Yes, for now at least. I'm glad for that, but please remember, the Reaper's curse is no joke. Is Aizen's curse even real? I'm having trouble believing in it. You never know. Talk like that might give you a stomach ache. Or a blister, or a bug might fly into your mouth. A bug? Miss Mogilu, please stop making up things just to scare Madame Eleanor. Like when you said that 4 Navy warships tried to detain the Von Eltia and disappeared without a trace. Or that Aizen made a stopover on an island and the men there caught demon blight. Or that a man bumped into his shoulder and started laughing and died from suffocation. Please stop. That's even more frightening. That's a pack of lies. It was 7 warships. Everyone on the island, not just men, caught demon blight. And the guy who bumped into me died from hiccups. Hold me! But as far as the Corsair's Scourge goes, you don't need to worry. Just drink the Solitoma juice and you'll be fine. Assuming they're in bloom. Yeah, there is that.
I have a bad feeling about this. Moi aussi. Du coup, j'allais dire quelque chose, je sais plus. J'allais faire quelque chose aussi, non? Je sais plus, je suis perdu. J'allais dire. On parlait du truc rouge. Ah, ça m'énerve quand je me souviens un peu ce que je veux dire. Parce que le jeu, il me coupe tout le temps là. Ça me saoule. Ça me saoule. Est-ce que l'expédition est rentrée? Pas du tout. Ah oui, si, je disais, ça fait. Ça fait 15 000 ans que j'ai pas. Enfin, ça fait 4 épisodes que je prends pas. Je fais quasiment aucun combat aléatoire et que je prends pas d'XP. Donc là, je commence à. Je suis niveau combien? Level 20? Ouais, on va voir. Pic de guerre, d'accord. 27! Ah ouais! Elle rigole pas, la petite dame. Hein. À mon avis. On va pas en sortir indemne cette fois-ci. Je sais pas. Je ne sais pas trop. J'ai peur. On va bien voir, de toute façon. C'est bon, on a tout tué. Il reste plus que ça. Le feu. Ouais, c'est une vidéo de brioche. Sur Cuphead. Je sais plus quel épisode c'est, mais voilà. Apparemment, j'ai plus que deux arts, c'est un peu chiant. Ah tiens, vas-y, prends-toi ça. Non mais genre! Tu peux t'arrêter s'il te plaît? Voilà, j'ai rien que tu fasses l'attaque déjà. C'est un peu chiant de... j'ai récupéré. Non. Tu me laisses? Quelqu'un peut tanker? C'est chiant de tanker, j'aime pas ça. Attends, on va faire autre chose. On va faire autre chose, là on va mettre du feu. Voilà, tac. Non, mais j'avais récupéré un art et... Enfin, un truc... Ah, c'est bon. Je vais récupérer. Et tu me l'as re-enlevé. Elle est un peu chiante. Hein. Ok. Oh, nice. Mais attends, mais Chouroba est morphinée, puis après elle me leur vole. Chouroba. Je suis pas tout. Hein. Je suis un peu perdu. Ah, j'aime bien quand ça fait ça là, quand elle peut plus bouger. Bon, c'est un peu répétitif, je sais, mais bon. Faut que ce soit efficace. Regarde. Ah oui, d'accord. Je peux avoir un autre arbre pour pouvoir enchaîner. Si possible. Oh, recule. Oh, j'ai été touché. Oh. Non, j'avais pas été touché. Ah, mais je me suis fait niquer là, du coup. Tu peux me heal? Merci. Ah, madame est morte. Ah, bravo. Elle décède maintenant. Ça suffit les conneries. Elle est quasiment morte là. Ok, bon, je vais avoir besoin de niveau quand même, hein, histoire qu'on... Là c'est passé, mais bon, on commence un peu à galérer. Hein. Il avait... C'était niveau 26? Ouais, il avait 6 niveaux de plus que moi quand même. Ça commence à faire beaucoup. J'aimerais bien pouvoir affronter... Tiro Toto, désolé. J'aimerais bien pouvoir affronter ces ennemis-là, genre sans trop prendre la tête non plus. Bon, je peux rien... Je pouvais rien donner à la fillette. Ok, bon bah ça c'est fait au moins. On va avoir une petite récompense en retournant là-bas. J'ai combien de guilds? 52 000. Bon, j'aurai peut-être 60 000 en arrivant. Alors du coup, je vais où? Concrètement. Plateau... Ah, attends. Ah, je peux rejoindre cette zone là. D'accord. Moi, faut que j'aille au truc rouge, du coup. Enfin, faut que j'aille ici, quoi. Ok, donc là-haut, c'est, ça doit être la zone qui était où il y avait un barrage, je crois. Si je dis pas de conneries.
Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire tout le tour de la zone. Ça me saoule un peu de faire le tour. Ce que je propose, c'est qu'on avance. On va direct dans la forêt là. On a combien de temps? 40 minutes. On va direct dans la forêt là. Et après, je verrai si je fais pas un petit tour. Parce qu'il y a quand même 4 coffres à ramasser. Je ferai un petit tour peut-être hors cam. Ouais, je pense que je ferai ça. Bah au pire, ouais, je sais ce que je vais faire. Pendant ma phase XP, je ferai un tour. Par contre, j'ai peur qu'il y ait... S'il y a une cinématique qui se déclenche, je suis baisé. Voilà. Sachez-le. Mais ou alors je ferai en ellipse. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tout de suite, là, on va dans la forêt. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Alors, ok, il n'y a qu'un seul étage. This must be the Warg Forest. We need to be careful. There may well be exorcists around. T'en fais pas. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de monstres dans cette zone. Ou alors les trucs sont invisibles, je sais pas. Et j'aime beaucoup. Ça me fait penser à quoi? Putain, à quoi ça me fait penser cette zone? Cette zone me fait penser à un autre jeu. C'est peut-être Tales of Zestiria au début. Je crois qu'il y a une forêt un peu dans ce délire là. Mais j'aime beaucoup. Dommage qu'il pleut et qu'il fasse tout brouillasseux. Tout brouillasseux, ça se dit? Je suis pas sûr. Que ce soit qu'il y ait du brouillard un peu comme ça, mais... The Abbey's new invention. So it's two barriers working in tandem then. That sure sounds like a hell of a lot of trouble just to stop people from coming in. It really does. Alors, double barrière de l'abbaye. Le double barrière de l'abbaye peuvent être désactivés via des interrupteurs d'éléments appropriés. Si une barrière vous bat la route, trouvez l'interrupteur d'éléments qui correspond. Ouais, bah du coup, c'est comme tous les autres trucs d'habitude quoi en fait. C'est nul. Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord, carrément. J'avais pas pensé que c'était comme ça en fait. Et si, donc oui, il y a bien des monstres en fait. J'aime beaucoup cette zone, voilà. Tales again, huh? That Reaper's curse of yours is consistent, if nothing else. The curse even affects coin flips? Seems that way. A Moloch's powers affect physical objects and can, at times, even synchronize with their wavelengths. And in your case, it's that coin? Yeah. That's why it always comes up tails. You must forgive my skepticism. Whether you choose to believe it or not is really up to you. It might be worth noting that coin is also Aizen's vessel. So is that wavelength business the reason why Lafayette always has that compass around him? That's part of it. But in another sense, it's a kind of proof of his manhood. Proof of his... manhood? Must polish you, so you don't rust. That doesn't make any sense. For a praetor, you really don't know that much about the world, do you? Ugh. Ah, l'expédition est revenue! Bon, il y avait longtemps, je suis en train de penser, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de la malédiction du faucheur. Ah, nouvelle zone. Ouais, bon, pour l'instant, on reste dans celle-là. Je suis en train de capter que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas parlé de la malédiction du faucheur. Je n'ai plus de batterie. Ok, on switch de manette. Hop. Aïe, faut bien avoir un peu de manette pour comme ça t'en charger une et voilà quoi. Hop. The Reaper's curse. The Abbey needs to know about this. I'll have to investigate further. A coin that always comes up tails. Can a Moloch's influence extend so far? I see you're a woman of deep skepticism. I know it's hard to believe, but Aizen's coin really does only come up tails. Wait a minute. Are you using some sort of trick on it, Mogilu? Oh, your gaze falls on me then? Well, I am a woman of deep skepticism. And one who holds grudges too, apparently. But no, I don't have anything to do with it. In fact, I tried a little spell to make it come up heads, and it wouldn't take hold. The coin's not gimmicked. There's no trick. See for yourself if you like. This is the Demon Lord Douse. Good eye. It's from Carlin. It's from Carlin! I've never seen an authentic specimen. It's incredibly ancient, and yet it looks freshly minted. There's a reason for that.
Gold is normally soft, but they found a way to harden. I know! They cover the surface of a softer metal with a heat-reactive-shaped memory alloy! That's what makes it hard to scratch. Right. It's a technique no one alive can duplicate, and it makes any trickery impossible. I might just have to believe in this curse of yours after all. I thought you said they had made the surface itself harder, not covered it with something else. I think you're mistaken. No, I swear you said... Let's just leave it at that. Okay. Shape memory alloy. That's how they did it. La colle. Bon. C'est pas très intéressant pour le coup. Enfin, c'est bien, mais... On s'en fout, c'est pas le sujet. Nous, on cherche des plantes et vous, vous parlez de pièces d'or qui se durcit, bah génial. Alors, tac. Bon, je rigole, hein. Tout est intéressant de toute façon dans le jeu. Tout m'intéresse, je veux tout savoir. Alors là, je sens que je vais me faire niquer. Ah, déjà, par. Oui, aussi par ça. Quoi? Donnez des ordres à vos alliés en combat, puis appuyez sur R3. Puis appuyez rapidement sur R3 pour annuler. Ah, c'est bien ça. Ok, bon ouais, je vais quand même fuir. Hein. Je vais quand même fuir. Laisse-moi fuir, s'il te plaît. Laissez-moi fuir. Je vais quand même fuir, mais c'est très sympa ça. Donc j'allais dire, je vais me faire niquer parce que regardez à gauche, il y a une espèce de petit trait sur le chemin. Je suis sûr que je vais pas pouvoir passer. Ah si, je peux passer. Mais que dans ce sens-là, d'accord, je pense. Ah quoi que, attends. J'en ai marre de faire ça. Pourquoi j'ai fait un truc pareil? Non. Oh putain, lâchez-moi. Mon prochain épisode, je vais chercher l'XP, là. J'ai trop besoin. Parce que là, j'ai pas fait le combat, mais j'ai senti qu'il me faisait un petit peu mal quand même. Donc j'aurai besoin de niveau. Prochain épisode, je serai level 36. Si je suis level 36, à mon avis, j'aurai terminé le jeu. Bon, peut-être pas quand même. À mon avis, on aura fini le jeu, je serai level 50 à peu près, je pense. Quelque chose comme ça. Ou 40 ou 50, un truc comme ça, je pense. Solitoma flower look like exactly? In a word, ugly. The flower itself is purple with leaves and stem of maroon. An ugly flower. All right, I'll keep an eye out. By the way, do you know what Solitoma means in the language of flowers? Was it deceitful coexistence? What's with that? Even its symbolism is awful. Deceitful coexistence. The perfect flower for us. What's wrong, Luffy said? Magilu is right, isn't she? Could be. Eleanor is from the Abbey. I'm not sure that someone like that would ever genuinely want to make friends with us. That's what I thought. But it's not all quarrels between us. There's commonalities, I guess you could call it. We share common ground. Deceitful coexistence doesn't trouble me at all. I'll always be here for you, Madam Eleanor. You and I shared an eternal vow that binds us together. All I did was make a pact to tether you. I'd appreciate it if you didn't talk about it in a way that could create the wrong impression. Madam Eleanor, you're so cold. Try your eyes, Bianfu. You still have me, don't you? Oh, Miss Mogilu, you're the only one for me, honest. Good. Now think hard on my kindness and do as you're told. Yes, ma'am. I'll just have to hang in there until I find a new love. Lafayette, think about deceitful coexistence this way. Demon, exorcist, Moloch, pirate, witch. We're never going to be a single cohesive unit. But each of us understands where the others are coming from in a way that's very real. So it's not really a deception? Yeah, not really. I think selfish coexistence might make the better fit. Maybe so. Elle va rester dans le groupe. Elle va trahir le... Enfin, Arthurus va la trahir, du coup, elle va partir et elle sera plus avec lui, quoi. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je crois que je vais rater quelque chose en activant le piège.
Enfin, le piège, pas le piège, mais le machin. Attends, on le fait passer au bleu. Ah non, je pourrais pas revenir en arrière, à mon avis. Je crois que ça va être un truc dans ce délire-là. Même pas ? Mais à quoi ça servait celui-là ? À quoi il servait celui-là en fait ? J'ai pas vu de barrière magique. Ouais, ouais. Je pense que ça va foutre un rouge à gauche, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. À mon avis, c'était rouge. Il fallait faire bleu, rouge. Oh putain ! C'est ce que je viens de te faire ? Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis une esquive, mon gars. Je sais pas comment j'ai fait. On est toujours pas arrivé là ? Vas-y, mais faut qu'on s'arrête là, je suis 50 minutes. Those purple leaves belong to a Salatoma. Be on the lookout for the ugly flowers. Ugly purple flowers. Got it. J'aimerais bien qu'on s'arrête. L'épisode va être trop long sinon. Bon, je vous préviens, c'est pas ma faute si l'épisode dure 1h10 encore, hein, comme l'autre fois. Là, c'est parce que j'ai pas de point de sauvegarde. Attends, j'ai pas confiance là-bas. Attends, on va d'abord aller là-bas. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. J'aimerais bien qu'on s'arrête. Comme ça, je pourrais prendre de l'XP tranquillement. Le prochain épisode, on reviendra beaucoup plus fort. Oh non, ça me fait peur ça. Ah, je crois que je fais une connerie. Ah non, je peux vraiment pas remonter. Ah, j'espère que j'ai pas fait de la merde. J'ai peur. Non mais sérieux, faut qu'on s'arrête là les gars. On va pas l'affronter. Exceptionnellement, on va le snober. On viendra l'affronter au prochain épisode, quand j'aurai pris de l'XP. Mais là, faut qu'on s'arrête. Il me faut un point de sauvegarde et on s'arrête là. Ou alors je fais une sauvegarde rapide, mais... Non, non, bah non, sinon, non, il faut que je sauvegarde. Parce que si jamais une cinématique se déclenche pendant que je prends ma phase d'XP, bah je pourrais pas annuler et tout recommencer. Sinon, je devrais tout me retaper et ça me fait un peu chier. Hop. Non, mais genre... Vous, je vous aime pas. Mais alors, pas du tout. Mais vous faites super mal, les gars. Vous pouvez tanker, les gars, tant que je fuis. C'est bon. Ils courent vite, ils sont chiants, je les aime pas. Hop. Ok. Je pense que j'ai tout, plus ou moins. Tac, tac, tac. Ok, donc on sait qu'il y a un monstre là. Bah, de toute façon, je peux pas y accéder. Voilà, comme ça, c'est réglé. De toute façon, je ne peux pas y accéder. Il faut que j'enlève le rouge. Ouais, je peux pas accéder. Bah, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que, voilà, je vous ai dit, on fait ça au prochain épisode. On ne va pas se prendre la tête. Oh là là, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? De toute façon, en fait, il n'y a pas du tout de démon chelou là. Je suis sûr qu'ils cachent quelque chose, ils font des expériences. Tac. Je pense avoir peut-être compris ce qu'il faut faire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est vrai, ils ont parlé de labyrinthe. Bah, effectivement. Mais j'aimerais bien que le labyrinthe se. Bah, limite, même pas qu'il se termine. Genre, juste avoir un point de sauvegarde qu'on puisse s'arrêter. Je veux pas que les épisodes soient trop longs. J'avais dit que j'essayais de faire des épisodes plus courts, de 40 minutes à peu près. Entre 40 et 50, c'était très bien ça. Et là, du coup, on va activer le. Ah non, mais je me retape pas le tour, hein, on est d'accord. Je pense pas que j'ai le. Je dois tout me retaper à mon avis, je sais pas. Je sais pas. Ok, alors attends, je suis où là? Si je repense ça, je me retrouve ici. Attendez, on va voir vite fait. Ah. Bah non, on va pas voir vite fait du coup. On ne va pas voir vite fait du tout du coup. Bon bah on repart et on va aller à droite. C'est. Ouais. J'ai envie d'un point de sauvegarde là, je veux qu'on s'arrête. Je veux avoir de l'XP. Ah non, on pourra pas aller à gauche, d'accord. Je vais avoir besoin d'XP parce que s'il y a un boss qui me saute à la gueule là, je sais pas si je vais y arriver. Je suis allé combien, level 20? Ça va être dur. Ça va être très dur.
Et puis si je veux affronter l'autre boss aussi là. Oh là 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 là. C'est terrible, il y a des chemins de partout. Et comme moi je veux tout avoir, je veux tout fouiller même si ça sert à rien. Hop. Ah, un coffre de Minouz. Et je vais pas aller là-bas tout de suite, attends. J'aimerais bien aller à droite vite fait. Putain mais c'est hyper loin en fait. Cet épisode va jamais finir. Parce que regardez, faut aller tout en bas là. C'est super loin. De toute façon je peux même pas revenir en arrière je suppose. Non bah je peux même pas revenir en arrière pour sauvegarder et faire une, enfin, faire une ellipse et aller sauvegarder quoi. Oh là là. Ça c'est le problème d'être youtubeur en fait. Tu veux essayer de faire des épisodes pas trop longs, parce que c'est vrai que les épisodes longs, ça peut être chiant à regarder, tu vois, tu dois te mettre une heure devant un épisode, c'est long. Donc tu te dis, tu vas faire des épisodes plus courts, sauf que des fois tu peux pas, t'as pas l'occasion. C'est pas gênant, mais ah, je pense que je peux repasser par là. Ouais. Et du coup, je ne vais pas y aller. Ça va enlever, ouais non, ça va être trop le bazar si je passe par là. Parce que ça veut dire qu'il faut que je redésactive le rouge, puis après je réactive le bleu, de toute façon je sais pas trop, enfin je suis un peu perdu, donc on va continuer tranquillement, hein. On va pas se prendre le chou. Bon, c'est ce qui me fait chier, c'est qu'on va devoir revenir en arrière pour aller affronter l'ennemi là, l'ennemi rouge là, donc c'est le bazar. Et j'ai raté un coffre. Je pense qu'il est à l'endroit où il fallait sauter. Ah. Bonjour les gens. Bonjour. You there. What do you think you're doing here? We could ask the same of you. OK, c'est parti. Oh mais les mecs, vous êtes level 9 et 17. Un peu de respect pour nous, sérieux. Il sert à rien ce combat. Il sert à rien ce combat, on va vous déchirer la tronche. Surtout si les Bagilou s'excitent comme ça. Ouais, ça dégage. C'était très dur. Is something going on back there? They didn't look like they were demon hunting. Are you making that move? No, it just did it by itself. He's in sync with his compass, just like Aizen and his coin. Aizen, you're an Earth Moloch, right? Do you sense anything around here? No, I don't. It seems Lafayette's senses are sharper than mine. It stopped, but something still feels wrong. Like what? It kind of feels like when we got sealed inside that Earth Pulse. So a force similar to Enominot's power? I'm starting to think this may be no ordinary demon we're dealing with here. Si c'est vraiment un démon. Si c'est vraiment un démon. Bon bah on continue hein. Point de sauvegarde derrière s'il vous plaît. Ouais non toujours pas. Le jeu il a dit non, tu joues. Tu t'arrêtes pas tant que t'as pas fini. Oh là là, oh là, je devrais faire tous les combats là. Ouh là là, ouh, calmez-vous. Ouh là là, ça va être trop là. Là, j'aurais fait le jeu de mon côté, genre sans vidéo. Je peux vous assurer que j'aurais fait quête pratiquement tous les combats du jeu. Genre chaque fois que j'en croiserais, je les affronterais pour avoir l'XP tout bêtement. Alors par contre, ah oui, j'ai l'air, on va avoir un petit souci là. Donc ça va enlever. Ouais ok. Va falloir faire le tour. Hop, je vais choper ça parce que ça se trouve il y a un truc rouge qui va apparaître devant le coffre. Écharpe à Rose Cassandre, je sais pas quoi. Hop. Ok, il y a un qui avait qui. Ouais voilà. Là c'était sûr, par contre le coffre c'était moins sûr. Donc on refait le tour. Oh pitié. Oh pitié, lâchez-moi. Lâchez-moi. Tac, tac, tac. Allez, un petit point de sauvegarde au prochain embranchement, s'il vous plaît. Ou genre juste avant, comme ça je sauvegarde et je reviens en arrière pour aller prendre de l'XP. Y'a pas de soucis. Voilà, voilà, merci. J'ai pas envie de m'arrêter en plus du coup, parce qu'on est juste devant là. Ah, les enfoirés.
Bon allez, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, désolé, il était bah, une heure, voilà. Il était un petit peu long, je m'en excuse, mais voilà, j'avais pas trop, enfin je pouvais pas faire autrement. Enfin bref, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, du coup prochain épisode, on va voir le démon, je pense. Oh, oh c'est cool ça, on peut bouger le truc avec le pavé tactile de la manette, je ne savais pas. Du coup, bah, je voulais prendre de l'XP dans les marécages, mais je vais prendre de l'XP ici, du coup, ça m'évitera de refaire tout le chemin. Du coup, prochain épisode, on affronte ça, enfin, on affronte le démon, parce qu'on va sûrement l'affronter, on va affronter aussi le truc rouge qui est là-bas. Et puis, on verra après pour la suite. Donc, j'espère que ça va plaire, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!